Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous donner quelques idées pour commencer un bullet journal. Donc, en fait, je devais recommencer mon bullet journal de 2021. Je me suis dit, bah autant vous filmer tout ça et vous donner quelques petites idées. Donc, la première idée que je vais pouvoir vous donner, c'est la page de garde. Donc, cette année, j'ai décidé de faire tout en cercle. Donc, pour ça, j'ai pris un pochoir que j'avais pour faire du scrap, que j'ai utilisé pour pouvoir faire mes cercles. Alors, j'ai utilisé donc des marqueurs Crayola. Donc, j'ai utilisé des couleurs assez pastel, je vais y arriver. J'ai utilisé donc du jaune, du rose, du vert bleu, du bleu du mauve. Je vais y arriver. Et alors, au fur et à mesure, je mets mes petits cercles les uns dans les autres et je vais repasser avec les couleurs les unes sur les autres pour faire un petit dégradé de couleurs. Donc voilà, je me suis super bien amusée à faire ça, j'ai bien aimé faire ce principe. À la base, je voulais pas forcément que ça ressemble à ça. Je pensais que les couleurs allaient mieux se fondre les unes dans les autres, mais c'est pas grave, je trouve que ça donne quand même un beau petit rendu. Voilà. Donc là, vous voyez que je passe toujours d'une couleur à l'autre. Donc j'ai fait d'abord toutes les boules bleues, puis toutes les boules roses, puis toutes les boules mauves, puis ici, toutes les boules jaunes, pardon, puis les boules roses, puis les mauves, et puis les bleus. Voilà, ça me permet aussi, et le fait d'être passé sur les petites boules les unes sur les autres, ça fait aussi d'autres couleurs qui se mettent. Donc je trouve que ce principe était encore assez agréable. Alors, le temps de faire tous ces petits ronds, etc., j'en profite pour vous dire... Ouh, je tombe de ma chaise. J'en profite pour vous dire que j'ai mis un petit projet en place pour lequel vous pouvez me contacter si vous avez envie d'en savoir un peu plus par rapport donc à mon bujeau. Donc, je l'ai, on va dire, digitalisé pour pouvoir ensuite l'imprimer ou vous le partager par PDF. Mais pour ça, je préfère que vous veniez me trouver par soit message privé sur Facebook ou bien par email. Donc comme ça, je vous donnerai un petit peu toutes les conditions en soi. Et je compte pouvoir faire ce genre de choses pour toute l'année 2021. Donc comme ça, vous auriez un bullet journal au final qui serait pour toute l'année 2021. Je le fais mois par mois parce que je n'ai pas encore commencé. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous le présenter, donc vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et à quoi vous pourrez avoir accès. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je mettrai mon adresse mail juste en dessous et mon Facebook, vous l'avez aussi juste en dessous dans les commentaires. Et donc c'est pour en fait pouvoir commencer mon projet petit à petit. Donc comme je vous avais dit, en 2021, j'aimerais bien vraiment me lancer dans l'idée d'une boutique en ligne. Donc pour ça, il faut vraiment que j'y aille, mais vraiment étape par étape pour ne pas m'essouffler, ne pas perdre le rythme et ne pas me faire peur non plus par rapport à cette charge de travail que je vais pouvoir me donner sur le coup. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à venir me trouver en message privé sur Facebook ou bien par mail si ça vous intéresse. Comme ça, je peux vous donner un petit peu les modalités et ces personnes-là qui viendront me trouver pourront aussi avoir accès donc là, je vous montre un gros plan de la page en question. Et donc, je disais, pour avoir aussi un accès à une page privée sur Facebook. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me trouver par mail ou par message privé sur Facebook. La deuxième partie, donc, ce sont les clés, donc les petits codes qui sont importants. Moi, je vous avoue que je n'utilise plus forcément après quelques années... j'en ai plus besoin, mais c'est vrai que c'est une page que je remets chaque année dans mon bujeau parce que j'aime quand même bien avoir les choses clairement définies. Et puis, vu que j'aime bien me lancer dans tout ça, bah voilà, ça me donne un petit peu des idées. Donc ici, j'ai fait comme si c'était une page, une double page, l'une sur l'autre. Au-dessus, j'ai fait des petits... je sais pas comment ça s'appelle, des petits marque-pages. Donc, pour faire comme si c'était un petit carnet... que l'on prenait. J'ai écrit le mot-clé en calligraphié. Donc, je ne sais pas faire la calligraphie. Donc, ça, c'est un objectif en 2021, c'est de m'y mettre comme il faut. Donc, ce que je fais, c'est que je double les traits à certains endroits. Alors, je respecte sûrement pas ce qu'il faut faire. Je pense que c'est doubler. Donc, ça doit être gros quand on descend. Je vous avoue que
je regarde comme ça en réécrivant. Ouais, si, je suis. Non, il y a le S, je me suis ratée. J'ai pas fait comme il faut. Alors, ici, ce que je fais, c'est une démarcation avec du washi pour pouvoir faire mes petites boules. Le souci, c'est que j'ai pris du washi qui était un peu trop fort, enfin, je sais pas comment on peut dire, qui colle trop fort, et donc ça a un petit peu abîmé ma feuille. Maintenant, après, on va dire, séchage et qu'il y ait quelques jours qui soient passés, on ne voit plus cet effet un petit peu abîmé. Mais c'est vrai que là, sur le coup, c'était un petit peu abîmé. Donc, si vous voulez utiliser cette technique, prenez bien un washi qui ne tient pas trop fort, parce que sinon, ça ne fonctionnera absolument pas. Donc voilà, donc vous voyez que je passe un petit peu partout. Je ne me préoccupe pas de passer sur mon mot-clé. Je passe dessus et je viendrai refoncer certains traits après pour qu'on les voit mieux par rapport aux petites boules. Mais c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de mettre mon. Comme si c'était un washi de rond en fait derrière sans souci quoi. Donc j'ai fait ça avec les mêmes couleurs que pour la page de garde. Donc ce sera vraiment le thème de 2021. C'est les petits ronds, en tout cas pour mes feuilles d'intro. Après, dans mes pages de scrap, évidemment, enfin, c'est comme pour de scrap, hein, de bijoux. Je vais mélanger le tout avec des différents thèmes, comme je le fais d'habitude, quoi. Je ne suis pas encore décidé sur mes thèmes, je le ferai au fur et à mesure, mais voilà. Donc là, ici, j'ai bougé donc mon washi. Je repasse en noir les parties qui doivent être un peu plus foncées, donc celles que je voulais faire. Là, je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié la partie du S au-dessus. Bah, je le referai juste après. Mais donc voilà, donc en 2021, moi je n'utiliserai pas mon bujo que j'aurais fait à la main. Je vous le ferai à chaque fois à la main, comme ça vous donnera des idées. Et moi ça me permettra de me faire aussi un petit peu des idées par rapport à mon bujo que j'ai réimprime en fait après. Donc je le fais d'abord sur un programme, sur Krita. Et puis je reviens après, je l'imprime et comme ça je l'aurai sous format papier. J'ai hésité à le faire d'abord sous format digital, donc en le faisant sur OneNote. Et puis je me suis dit donc j'avais encore besoin cette année au minimum. Après je sais pas, peut-être que je changerai d'avis, mais cette année je voulais quand même encore au moins garder le papier un minimum. Mais c'est pour ça que je l'imprime, parce que au départ c'était pas le cas, je voulais pas le faire. Et puis j'en ai imprimé un et je me suis dit que j'aimais vraiment bien le principe et je trouvais que c'était, enfin, voilà, ça donne un autre style. Donc je me suis dit ouais, je vais à chaque fois vous proposer par papier. C'est pour ça que j'ai pas changé de bullet journal au final, que j'ai gardé le même que l'année dernière. J'ai continué vu qu'il me restait pas mal de page. Et voilà, je reviendrai à chaque fois par-dessus par rapport à ça. Alors, j'ai colorisé donc les deux petits éléments sur le côté. Donc avec donc j'ai pas rangé mes marqueurs, j'ai vraiment utilisé les mêmes marqueurs au fur et à mesure. Donc il y a des éléments, donc les Crayola, j'ai des brush pen de chez Action et je sais pas comment ça s'appelle, ceux en noir. C'était les mêmes couleurs. Et alors j'utilise des bics assez fins pour pouvoir écrire dessus. Donc là c'est mes différentes clés, donc la tâche finie, la tâche annulée, la tâche reportée, les éléments importants et mes rendez-vous. Donc comme ça je vois un petit peu. Alors là évidemment ça s'est pas bien fait les focus, je suis désolée. Et donc voilà, la troisième page que je vous propose, c'est le futur log. Cette année je l'ai pas énormément utilisé parce que tout bêtement confinement oblige, j'ai pas eu de rendez-vous qui s'est mis ou qui s'est prolongé, enfin qui s'est prévu sur des semaines à l'avance. Donc oui, il y avait des choses, j'avais prévu des choses, j'avais mis des choses dans mon futur log, mais j'ai dû les annuler au fur et à mesure parce que évidemment bah, tout était annulé. Comme concert que je devais y aller, bah, j'ai dû l'annuler, j'ai dû le supprimer de ma liste. Des anniversaires qu'on avait prévus, qu'on savait, enfin, on avait fixé des dates à l'avance, bah, j'ai dû les annuler. Donc voilà, donc j'ai quand même eu envie de refaire un peu le futur log pour quand même avoir une vision globale donc de l'année en cours. Donc voilà, ici je suis partie sur les côtés où je vais vous mettre les petites lignes avec les petits ronds. Donc vous voyez que c'est tout le temps le même principe, j'utilise tout le temps la même technique. La seule chose c'est que là j'ai changé de washi parce que je savais que celui-là ne colle vraiment pas bien. Donc je savais qu'après j'allais pouvoir l'enlever facilement. Par contre, il est pailleté et il collait à mon pochoir, et c'est vrai que c'était un peu compliqué à chaque fois pour le dé. Enfin, vous voyez qu'à chaque fois je suis obligée de le relever et il s'accrochait en fait avec les hauts paillettes. Donc voilà.
J'ai refait pareil de l'autre côté. Alors j'avais prévu tout ce que je voulais faire, donc il faut que je gomme quand même ce que j'avais eu en tête. Parce qu'il faut que je prépare un minimum mes bujots à l'avance pour avoir l'aspiration qui vient. Donc avant toute cette préparation là, il y a quand même toute une ressource, enfin toute une recherche de préparatifs de ce que j'aimerais bien faire, des idées que j'aimerais bien lancer, de tester là où je dois mettre mes mots, comme par exemple ici pour le Futurologue, le comment je vais organiser mes mois et où je vais les mettre pour avoir de l'espace. Donc tout ça, c'est préparer un minimum pour ne pas mettre des choses au bic et puis au final me rendre compte que ça ne fonctionnera absolument pas et que il va falloir que je revienne en arrière. Donc ben voilà, ici j'ai essayé de le faire un petit peu comme il faut pour que tout se mette un petit peu dans la meilleure position possible. Donc voilà, vous voyez qu'à chaque fois je remets. J'ai utilisé d'ailleurs, comme vous voyez, je sais pas si c'est du verre vraiment, un des deux, vous les voyez sur le côté là, je sais pas si c'est du verre. C'est du vert et du bleu pour moi maintenant, c'est vous un petit peu qui définissez la couleur que vous pensez. Alors là, je vais mettre au fur et à mesure mes mois, donc janvier avec les jours, puis après, donc j'ai à chaque fois complété à la main. L'idée c'est d'avoir des stickers au fur et à mesure. Mais voilà, je ne les ai pas encore fait, donc comme ça, je vous montre aussi que c'est faisable de le faire à la main. Mais voilà, ce sera pour les idées à venir des stickers pour chacun des mois. Ce sera plus facile aussi, mais ça, il faut que je réfléchisse à comment mettre tout ça en place. Donc là, vous voyez qu'avec mon GSM, à chaque fois, je regarde voir quel jour... Enfin, quand on commence, on peut vérifier de ne pas faire de bêtises. Parce que c'est vrai que c'est à chaque fois le genre de bêtises que je peux faire. Et alors là, j'ai fait une erreur pour le bujot écrit. Ce que je vais vous proposer à faire au PC, j'ai fait janvier, février, mars, et puis j'ai fait à côté avril, mai, juin, et en dessous j'ai fait juillet, août, septembre, puis octobre, novembre, décembre, comme ça c'était vraiment toute une ligne. Alors j'ai essayé de rappeler un petit peu les couleurs en faisant des lignes à chaque fois une alternance de bleu et de vert. Donc je vous montre un petit peu tout l'effet que ça donne. Donc comme ça, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire aussi. Alors, j'avais oublié de mettre une partie, donc je l'ai rajoutée. Et puis alors, on va passer à la quatrième partie. Ça, c'est une toute nouvelle page que je fais. C'est mes objectifs et j'ai décidé de les faire trimestriels. Alors, trimestriel, c'est un choix comme ça qui s'est mis... J'avais pas envie de faire non plus trop, j'aurais pu faire un mensuel, je voulais pas parce que mensuel ça reprenait des petits projets. Ici les objectifs trimestriels c'est vraiment des gros éléments où il faut faire plusieurs étapes pour y arriver. Donc les objectifs mensuels c'est vraiment des petites choses comme faire mon bujo, faire mon project live du mois précédent pour ma fille, pour mes filles. Ici c'est vraiment des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus travaillé. D'ailleurs, comme vous voyez, je vous ai mis, enfin j'ai déjà indiqué au crayon professionnel, donc c'est-à-dire pour mon boulot. Comme par exemple les cours que je dois préparer, il faut que j'aille finir. J'aimerais bien, par exemple, pour les 3 mois à venir, donc de janvier à mars, finir mes cours, par exemple, pour les premières secondaires. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me prend du temps. Donc ça va être découpé en plusieurs catégories. Le deuxième c'est mon projet. Bah, mon projet ça va être, il y a des grosses choses à faire pour mon projet, comme par exemple vraiment me lancer, créer ma boutique, faire plusieurs éléments. Bah, pour ça il faut que j'y aille petit à petit. J'ai fait aussi le projet pour ma maison, donc on aimerait bien commencer à faire des travaux, donc bah voilà, je sais qu'il y a plusieurs étapes à faire, comme aller à la banque, signer le prêt, recontacter les entrepreneurs, pas mal de choses que j'ai vraiment envie de pouvoir détailler en étape par étape, parce que j'ai l'impression que je n'avance pas dans certaines choses, et je me dis, en détaillant vraiment mes objectifs, me fixer un gros objectif à détailler en plusieurs petits objectifs va m'aider à avancer, à me dire mais si, t'as peut-être pas fini ton gros objectif, mais au moins t'as avancé petit à petit dans ce que t'as envie de faire. Et ça, je pense que ça va beaucoup m'aider dans l'idée de, oui, t'avances, te tracasse pas, t'avances. Donc voilà. Et j'ai mis aussi une page scrap, parce que là aussi, j'ai l'impression de stagner, de ne pas avancer dans tout ce que je veux faire, alors que je scrap énormément.
Mais voilà, je sais que j'aimerais bien finir des albums. Bah, je vais me laisser, par exemple, les 3 mois pour finir l'album de ma micro de 2019. Il me reste plus énormément à faire. Bah, voilà, je me fixe sur les 3 mois. Il me resterait autant de pages à faire. Bah, je vais le mettre. Donc, dans les grosses cases que là, je suis en train de préparer, c'est vraiment les objectifs, les grosses dénominations d'objectifs que j'aimerais bien faire. Maintenant, je vais pas me lancer dans des gros trucs non plus. Pas faisable. Je préfère me lancer dans un objectif en gros, mais pas trop gros, que par exemple pour la maison, par exemple me dire bah, finir les travaux. Non, ça c'est pas possible. Ils seront pas finis. J'avais envie un petit peu de me lancer comme ça. Donc là, vous voyez que je me suis mis en dessous une petite citation. Donc c'est la clé du succès, c'est de voir le possible où les autres voient l'impossible. Parce que je trouve que ça résume très très bien. Ce que j'ai vécu un petit peu pour le moment, alors j'irai peut-être pas... Voilà, ça fait un petit moment que je réfléchis vraiment à cette boutique, que j'ai envie de me lancer, que j'ai envie de faire des choses, sans en parler à qui que ce soit. Parce que je me rendais compte que bah, c'est un peu bête, je vais pas y arriver, pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que mes produits seraient vendus, pourquoi est-ce qu'ils seraient pas vendus, pourquoi est-ce que les gens viendraient sur l'idée de venir dessus. Mais j'avais envie vraiment de me dire si, c'est pourquoi pas. Je vais en parler, j'en ai parlé parce que ma sœur s'est lancée dans un projet. Et donc, le fait qu'elle commence à me parler, qu'elle se lance, je me suis dit bah, pourquoi pas lui parler aussi de mon projet. Donc j'ai commencé vraiment à m'ouvrir, à parler un peu plus, à plus de personnes de mon entourage proche. Alors mes personnes, mon homme et ma sœur en tout cas, sont à fond avec moi. Ici je commence à parler un petit peu à mes collègues qui m'aident un petit peu dans tout ce que j'aimerais bien faire aussi. Et donc bah voilà, je me dis... petit à petit, en parler, en avancer sur chaque étape, me fera grandir. Et donc, ben voilà, j'avais envie de me dire que c'était possible. Alors, je vous parle un petit peu de tout en même temps, comme d'habitude. Et la deuxième partie, c'est vraiment pour détailler chacun des projets. Donc, par exemple, mon projet pro, finir mon cours de première, ben, j'ai X chapitres à finir. Donc, il faut que je les indique. Et comme ça, je me verrai avancer dans mon projet. Enfin, dans mon objectif, par exemple, mon projet pro, c'est me dire que pour mars, je lance ma boutique. Et ben, avant de lancer ma boutique, j'ai besoin de faire plein de choses. J'ai besoin de trouver le papier, j'ai besoin de trouver les enveloppes, j'ai besoin de trouver comment je vais faire pour envoyer, préparer mes cartes de remerciement, préparer ce que je vais mettre sur les enveloppes, préparer les éléments en soi à vendre. Donc voilà, il y a plein de petites choses que je vais faire rentrer dans ces projets. Par exemple, pour la maison aussi, bah, c'est passé. Donc c'est... La maison ici, imaginons, bah, il faut que je passe à la banque, bah, ce sera passé à la banque, signer le prêt, contacter pour jusque mars, bah, contacter les entrepreneurs pour fixer une date de quand on pourrait faire les travaux. Donc voilà, ce serait vraiment se dire, on avance étape par étape, mais on ne ferme pas tout. Et alors j'ai voulu écrire aussi crois en tes projets. Donc ça c'est pour moi, il faut vraiment que je croie en mon projet et ne laisse pas les autres te faire douter, parce que j'ai pas envie que voilà on me dise bah non laisse tomber ça sert à rien. Non, j'ai envie moi d'y croire, et au final si je me plante bah je me planterai, mais au moins j'y aurais cru un tout petit peu. Donc voilà, je préfère me dire j'ai essayé et je me suis plantée, plutôt que j'ai pas essayé et donc je ne peux pas voir que si je me suis plantée ou pas plantée. Donc voilà. Alors, donc je vous montre un petit peu le résultat de des deux pages, de ce que ça donne. Donc évidemment, là j'en ai fait qu'une, il y en aura jusqu'au fin d'année, donc j'en aurai 4 différentes avec des citations différentes. Alors, la page suivante étant les idées cadeaux. J'aime encore bien me mettre, alors c'est les idées, j'ai appelé ça idées cadeaux. Maintenant moi, je vous avoue que ce ne sera pas juste des idées cadeaux, ce sera plus des idées de ce que j'ai envie d'acheter. Comme par exemple l'année dernière je m'étais fait une petite liste d'envies, alors j'avais scrap et j'avais maison j'avais rien complété parce qu'évidemment on achetait si j'avais envie de quelque chose parce que c'était pas trop cher tout ce qu'on avait envie, bah je le prenais. Par contre dans le créatif j'avais quand même indiqué plusieurs éléments, donc par exemple j'avais marqué tapis de verre que je vais, normalement Papa Noël va me l'apporter, le Stazon Cleaner je l'ai acheté, des mousses j'en ai acheté pour mon encre, la Versafine noire je l'ai acheté, j'avais demandé une règle en inch, je pense que Papa Noël va me l'apporter aussi, et des stickers par thème, j'en ai acheté au fur et à mesure de l'année. C'est vrai que voilà, donc c'est plus une liste de choses que j'aimerais vraiment bien acheter et qui au final quand on arrive à mon anniversaire ou bien à Noël,
donc les moments où on reçoit des cadeaux, à ce moment-là, je sais que je regarde dans cette liste-là et je sais que je vais pouvoir piocher là-dedans et me dire ça ce serait intéressant peut-être pour qu'on puisse m'offrir, et je fais un petit peu le tri de ce que il serait agréable de m'offrir ou pas agréable de m'offrir. Donc voilà, donc j'ai appelé ça idée cadeau, mais c'est vrai que vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous en avez envie. Alors en dessous j'ai fait un petit fanion où j'ai mis j'ai envie, donc c'est pour ça que c'est plus ma liste d'envie plutôt qu'une liste vraiment de cadeaux en question. Mais c'est ma liste personnelle, quoi. C'est pas ce que j'aimerais bien offrir à quelqu'un ou à mes enfants. Non, c'est quelque chose pour moi. Et en dessous, ce que j'ai fait, c'est une espèce de petit calepin avec des petits ronds. Donc, je sais pas comment on appelle ça, comme si c'était des petits œillets qui retenaient les feuilles. Alors vous voyez que quand je dois faire les traits à l'intérieur, les traits fins, je prends une ligne beaucoup plus fine de ce que je prenais pour faire mon dessin en question. Donc c'est des choses assez simples que j'ai réalisées. Je veux pas être dans quelque chose de compliqué. C'est pas, j'ai pas un but à faire quelque chose d'extrêmement compliqué qu'on n'est pas capable de reproduire tout seul à la maison. L'idée c'est vraiment de vous donner des idées par rapport à mon bijou, quoi. Donc je me dis que ça peut vous donner des idées. Je sais que moi je suis toujours en recherche de choses. Il y a plein d'autres pages qui peuvent être faites, mais moi je n'en vois pas l'utilité pour mon bujo à moi. Donc je sais pas pourquoi ici j'ai mis la mauvaise vidéo. Je vous ai remis la vidéo sur mes objectifs. C'est pas grave, vous l'avez une deuxième fois. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Et donc partie suivante, c'est mes suivis. Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai faite sur mon bullet journal pour le mois de... le mois de décembre, j'ai fait un tracker donc de ce que je pouvais vouloir faire. Je ne sais plus maintenant si je l'ai fait ou pas. J'ai rien dit, je l'avais pas fait. C'est pour c'est pour les mois prochains. Donc je ferai des trackers au niveau des mois. Mais c'est vrai que ici j'avais envie depuis. Ça fait un petit moment qu'avec mon homme on a envie de traquer nos poubelles, par exemple. De savoir quand est-ce qu'on met les poubelles à rue, que ce soit les tout venants, ou bien les cartons, ou bien les PMC, ou bien maintenant les transparents. Enfin, je sais pas si il est transparent, parce que l'année prochaine sera toujours pas ensemble non plus. Et j'avais envie de voir tous les combien de temps on mettait une poubelle. Parce qu'on essaye de tendre vers le zéro déchet. On n'y sera jamais au zéro déchet. Là, on va pas se mentir. Mais de tendre le plus possible qu'on peut y arriver. Et on aurait bien voulu voir à combien de poubelles on était par année. Voire même par mois. Parce qu'on a l'impression qu'on ne la met presque plus. J'aimerais bien ne serait-ce que traquer ça. Traquer mon flux. Mon cycle plutôt. Parce que ça m'arrangerait très bien de savoir un peu quand ça arrive, ce serait plus pratique. C'est pour ça que j'ai fait une page de suivi. Alors ici, j'ai fait que la page de suivi de janvier à juin. Donc j'ai décidé de la mettre par semaine et de faire une petite case par semaine. Comme ça, c'est des choses que je traque pas tous les jours parce que ça sera un suivi mensuel et pas un suivi annuel. Donc là, ici, c'est vraiment une chose par semaine. Les poubelles, on les jette une fois par semaine, si c'est les poubelles tout venant, par exemple. Mon cycle, pareil aussi, c'est sur une semaine qu'il est là, et alors à ce moment-là, je sais que je colorierai la case, par exemple, si je suis réglée la semaine 3 de janvier, je colorierai, je mettrai la date du jour où j'ai eu mon début, comme ça, je saurai me repérer aussi par rapport à ça. Et donc, j'ai mis, il y a certaines semaines, c'est sur deux mois, comme par exemple la semaine 13, c'est sur le mois de janvier, de mars et le mois d'avril, je l'ai mis à cheval sur les deux mois, comme ça, je sais que, c'est un petit peu les deux mois qui sont passés. J'ai déjà préparé celle de juillet à décembre, mais je voulais pas proposer, enfin je voulais pas montrer parce que c'est exactement la même page. Et donc là, vous voyez, je suis en train de faire des lignes pour pouvoir justement mettre mes différents trackers. Donc en tout, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 pour pouvoir traquer des choses.
Je sais pas si je vais traquer 11 choses différentes. Je vous avoue, je ne sais pas. Je vais me laisser aussi le temps de la réflexion. Là, je vous montre mon bugeot, à quoi il ressemble, fini et passé donc par mes petites mains au PC. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à venir me trouver si vous êtes intéressé par ce projet pour m'aider par la suite et à revenir vers moi pour s'il vous intéresse. Sur Facebook, sur mon adresse mail. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre dans mes nouvelles aventures, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.